Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Oh, magnifique Saint-Esprit, après ton cœur, après ta compassion, après ton amour pleinement formé en nous. Oh, magnifique, à la rosée, nous soupirons pour cultiver le dépôt divin, l'onction, la foi, la soif, la parole. Ce sont les dépôts. Oh, je t'en supplie, aide-moi à garder le dépôt. Oh, ne t'arrête pas là où je suis. Emmène-moi dans tes profondeurs. Alors prends mes mains et prends mes pieds et prends ma bouche. Deviens, Seigneur, le consolateur par ma bouche, le guérisseur par mes mains, l'évangéliste, le missionnaire par mes pieds. Ne me laisse pas vivre une vie centrée sur le moi-trimonisme. Moi, moi et moi, non. Mais que Christ soit pleinement formé. Je t'en supplie, ne me laisse pas banal. Oh non, oh, j'ai besoin de voir l'onction de sagesse, l'onction des prodiges, l'onction des miracles, l'onction de discernement, la révélation de la parole de connaissance. Oh, l'esprit de prophétie, toutes ces facettes du Saint-Esprit vont augmenter en toi au fur et à mesure que, à cause de la compassion que tu ressens, tu vas vouloir servir les autres avec les dons, les grâces, les capacités spirituelles et naturelles que Dieu a déversées en toi. Lorsque tu voudras être un instrument, bien-aimé, il n'y a rien de plus glorieux, de plus gratifiant que d'être un canal. Et tu peux être ce canal. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, tu n'as pas besoin d'être prophète, tu n'as pas besoin d'être apôtre, tu as besoin d'être un instrument, un enfant de Dieu, hein, quelqu'un qui a cru, une personne qui a cru et qui sera disponible pour les autres, qui décide d'arroser les autres selon qu'il est écrit, l'âme bienfaisante sera rassasiée et l'arroseur sera arrosé. Arrose les autres avec les dons, les grâces, les capacités que tu as reçues. Cherchez premièrement d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Il y a tellement de choses que tu veux te donner par-dessus tout. Les choses que tu n'as même pas demandé, les choses dont tu as besoin. Mais il sait de quoi votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Mais ne vous inquiétez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de prières égoïstes, ils seront exaucés. Mais vous cherchez premièrement d'abord le royaume. Portez le fardeau du Père, prenez le joug du Père et il y a tellement de choses qui te seront données en dessus, la faveur, la grâce, la splendeur, la richesse, l'éclat, la visitation, le discernement, l'intelligence, les relations, le foyer épanoui. Il y a tellement de choses qui te seront données par-dessus tout, à condition que tu cherches premièrement d'abord. Oh, magnifique! Délivre-nous dès lors de l'égoïsme. Délivre-nous dès lors de l'individualisme, de l'égocentrisme, du moi-trimonisme. Oh, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions. Fais de nous des instruments de guérison, des instruments de consolation. Mais la qualité de l'instrument que tu vas devenir va dépendre, bien-aimé, de ton propre dépôt, de ta propre consistance, de ta propre profondeur. Dieu veut que tu arrêtes de t'appuyer sur le fait que les gens vont faire les formations. Deviens un transmetteur, deviens un libérateur, deviens un canal par lequel le Saint-Esprit va guérir les cœurs brisés. Mais il ne peut pas guérir les cœurs brisés si tu n'es pas d'abord rempli de la connaissance toi-même, de la vérité. Comment peux-tu libérer les gens de l'ignorance lorsque toi-même tu es un ignorant? Comment peux-tu amener les gens à connaître la vérité lorsque toi-même tu ne connais pas la vérité? Voilà pourquoi tu dois commencer par t'établir, par te fixer, par t'enraciner dans la vérité. Ainsi, tu pourras emmener d'autres personnes à être assis dans la vérité. Il ne s'agit pas d'avoir entendu la vérité. Il ne s'agit pas d'avoir entendu parler de la vérité. Il s'agit pour toi de connaître personnellement la vérité de l'œuvre achevée de la croix, la vérité de la parole de Dieu. Fais de cette parole l'objet de tes désirs. Fais-la demeurer en toi.
Car ta capacité à aider, ta capacité à assister, ta capacité à servir va dépendre de ta compassion, mais va aussi dépendre de la qualité de ton dépôt. Il y a trop d'entre vous m'a dit, l'esprit, tu es vide, tu as entendu les enseignements, mais l'enseignement n'est pas demeuré. Or il a dit, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, là vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, dans mes paroles, et que mes paroles demeurent, elles doivent demeurer en vous. Alors prends la résolution. Tu veux que l'onction grandisse en toi? Prends la résolution de devenir une personne qui demeure dans la parole et en qui la parole demeure. Ta capacité à aider les gens va dépendre de ton propre dépôt. Oh, nous t'implorons, Père. L'onction doit grandir. L'autorité doit augmenter. Sors de la négligence. Décide de prendre le temps pour asseoir la parole. Tu ne peux pas être un instrument de guérison des cœurs brisés si toi-même tu ne connais pas la vérité et si cette vérité ne t'a pas affranchi toi-même. Comment un blessé peut-il guérir un blessé? Comment une âme meurtrie peut-être guérir une âme meurtrie? Il faut que la parole t'ait guéri toi. Et quand tu vas parler aux gens qui sont malades dans leur cœur, c'est la parole que tu es devenu, la parole faite chair, qui te donnera du crédit. Voilà pourquoi tu dois la faire asseoir en toi-même. Devenir l'expérimentation vivante de la parole. L'onction que Dieu t'a donnée a besoin d'action. L'action va dépendre de ton cœur de compassion, mais aussi de ton propre dépôt. Voilà pourquoi tu dois préserver le dépôt et augmenter le dépôt. Nous te remercions. La saison dans laquelle nous sommes annonce que ta gloire sera manifestée. Alors délivre-nous de toutes ces zones de confort, de médiocrité, de nonchalance. Délivre-nous. Onction de Dieu, viens nous saisir, réveiller, ranimer, embraser. Réveillons-nous le désir ardent de demeurer en permanence dans ta présence, mais aussi le désir ardent de nous nourrir en permanence de ta parole et le désir ardent de porter les fardeaux des autres afin que nos fardeaux à nous aussi soient portés conformément à ta parole. Nous te rendons grâce pour la dynamique dans laquelle tu nous amènes. Nous te remercions parce que ta parole sera faite chair et cette année 2021 va commencer à voir la manifestation d'une dimension d'éclat qu'on n'avait jamais vue. Nous te rendons grâce parce que tout ce que tu es en train de faire vise le même objectif. La parole des lords sera faite chair. Les témoins seront constatés. Des évangélistes et des influenceurs seront enfantés. Des personnes que le monde ne pourra plus mépriser, dans la vie sera utile. Des bonnes œuvres seront enfantées à travers nos vies. Ça a pris le temps que ça a pris, mais c'est la saison où la lumière va briller au sein des ténèbres. Béni soit le nom de celui qui a commencé cette belle œuvre en nous. Béni soit le nom de celui qui nous assemble et rassemble. Béni soit le nom de celui qui va nous faire baigner dans une dimension d'onction sans précédent. Béni soit le nom de celui qui nous bâtit. Nous te rendons grâce. Il y a de l'espoir pour ta vie. Mon frère, ma soeur, jeune homme, jeune
Vieillard, il y a de l'espoir pour ta vie. Ne dis pas ma vie est fichue. Non, bien-aimé. Non. Il a dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Je tiens à te dire, quel que soit ton âge, tu as passé 70 ans, tu dis, il me reste peu d'années à vivre. Les dernières années de ta vie vont, les dernières années de ta vie vont te permettre de faire ce que tu n'avais jamais fait tous les jours de ta vie jusqu'à maintenant. Parce que la grâce de l'accélération divine te localise au nom de Jésus. La main du Seigneur est venue sur toi pour donner à ta vie de la vitesse, bien-aimé. Tu combattras le bon combat, tu achèveras la course et tu garderas la foi. Et tu ne retourneras pas devant le trône de Dieu. Tu ne quitteras pas la terre avec un petit fruit. Les années qui te restent à vivre seront des années glorieuses. Le Seigneur va t'utiliser puissamment pour inspirer et édifier les multitudes au nom de Jésus-Christ. Que la main du Seigneur te localise et demeure sur toi. Que le feu de Dieu ne s'éteigne plus jamais en toi. Que son embrasement t'attrape comme jamais auparavant. Que la main qui est sur moi vienne sur toi. Que la main qui embrase mon cœur vienne embraser ton cœur. Que le zèle qu'il a mis en moi saisisse ton cœur. Dans le nom de Jésus le Christ, la qualité de ta réponse va déterminer la qualité de ton toucher. Que la main qui me saisit, saisisse ta vie. Parce que Dieu ne veut pas être que nous soyons une poignée. Dieu réveille une armée. La négligence te quitte. La lourdeur te quitte. La nonchalance te quitte. Le feu te saisit. Son feu te dévore. Le zèle de sa maison te consume de l'intérieur. Tu ne connaîtras plus de défaite. Tu ne seras plus vaincu par la peur. Tu ne seras plus jamais vaincu par le rejet. Je déclare et je décrète. Ce dont j'ai triomphé, tu vas triompher. Ce dont j'ai triomphé, tu triomphes maintenant. Au nom de Jésus, la qualité de ton amen détermine la qualité de sa réception. Ce qui ne m'a pas arrêté ne t'arrêtera pas. Ce qui est écrasé devant moi sera écrasé devant toi. Voilà pourquoi je vois le bras de la sorcellerie quitter définitivement ta vie. Je vois l'esprit de terreur, l'esprit d'échec, l'esprit de pauvreté lâcher totalement ta vie. Je commande un transfert de grâce. Je commande un transfert d'autorité. Marashala, Rezakalamasia. Je commande un dépôt de feu. Augmenter, multiplier. Une grâce multipliée. Sur ta vie, que la grâce soit multipliée. Sur ta vie, que la connaissance de Dieu soit multipliée. Dans ton cœur, que la compassion de Christ soit multipliée. Tu sens des murmures, tu sens des critiques, tu sens de l'amertume. Reçois la compassion de Christ. La compassion pour les perdus. La compassion pour les nécessiteux. La compassion pour les pécheurs. Ce cœur de compassion te remplit maintenant. Père, à toi, ce cœur de compassion te saisit comme jamais auparavant. J'ai dit un, j'ai dit deux. Est-ce que tu es prêt? Lève la main. Il va greffer un nouveau cœur. Il va greffer un cœur de compassion. Les gens que tu critiquais, tu vas pleurer dans la prière pour eux. Les gens que tu méprisais, tu vas pleurer en intercession pour eux. À toi, cette grâce te localise. Est-ce que tu es prêt? Mashallah. Le cœur du Père va venir presser ton cœur. Le cœur de Pierre quitte ton cœur. Bienvenue au cœur de chair. Je dis toi, reçois ce cœur, reçois ce cœur. Un cœur pour les perdus, un cœur pour les perdus, un cœur pour les pécheurs, un cœur pour les personnes brisées, un cœur pour les personnes malades, un cœur pour les personnes abîmées, un cœur pour les personnes esclaves du péché. Les mêmes que tu critiquais hier, à partir d'aujourd'hui, reçois ce cœur, reçois ce cœur, reçois ce cœur.
Tes paroles ne seront plus des paroles de critique. Tes paroles ne seront plus des paroles de jugement. Tes paroles seront des paroles de compassion. Et à cause de cela, regarde comment l'Esprit va te tirer. Regarde comment l'Esprit va te saisir. Regarde comment il va te saisir. Il va te saisir pour faire le bien. Je vois quelqu'un nourrir des multitudes sans effort. Pas à cause de tes prières, mais à cause de ta compassion. Tu vas passer pour toi pour changer chaque 5 pains et 2 poissons en multitude. Des multitudes seront arrosées à travers toi. Je vois des transferts de richesses venir vers toi afin de faire de toi un faiseur de bien, une faiseuse de bien. J'appelle ces détournements. Je commande le détournement de l'argent acquis par l'intérêt et l'usure, de l'argent gaspillé. Que cet argent, parce que tu vois ton cœur de compassion, les gens qui dilapident l'argent vont amener ces fortunes. Que ces fortunes viennent à toi, qu'elles viennent à toi pour aider, qu'elles viennent à toi pour soutenir, qu'elles viennent à toi pour faire le bien. Je ne sais pas à qui je parle, mais si tu reçois cette parole, alors tu dois dire amen et tu dois dire je reçois. L'onction vient sur toi et ce cœur de compassion va démultiplier au nom de Jésus-Christ. Tu vas te faire prospérer, pas parce que tu voulais avoir une grosse voiture, mais parce que tu voulais faire le bien. Que cette grâce vienne sur toi, la discipline, la créativité, la diligence, l'inspiration, l'ingéniosité, l'inventivité, que l'esprit de sagesse, que l'esprit d'intelligence, que l'esprit de révélation te donne accès à des secrets que le monde n'a pas entendu, le monde, les yeux de l'homme, des hommes n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, on n'a pas appris ça à l'école. Je dis reçois cette sagesse, reçois ce téléchargement, des idées extraordinaires et la discipline pour les amener à manifestation. Je commande que l'argent acquis par l'intérêt et l'usure, les richesses des nations viennent à toi, pas parce que tu veux une grosse voiture, pas parce que tu veux ta grande maison, mais parce que tu veux être un instrument. Un instrument, amen. Un instrument. Amen. Reçois cette grâce. Amen. Dans le nom de Jésus, le Christ. Maracosea. Oh Père, merci. Amen. Car c'est poussé par le Saint-Esprit. Amen. Et des hommes ont parlé de ta part. Et tu as dit, amen. Je confirme la parole de mon serviteur. Et c'est toi qui m'as appelé à libérer cette parole. Confirme-la maintenant. Confirme-la dans une dimension jamais vue. Dans une dimension d'émerveillement. Parce que tu nous donnes le cœur qui va permettre d'opérer avec l'onction. Le cœur du Père. Le cœur de compassion. Lève les mains. Père, saisis ses mains. Fais-les prospérer maintenant. 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 Il n'y a pas de serpent dans tes mains, c'est fini. Tout serpent qui avait mordu ta main, part. Tout esprit de pauvreté, part. Tout esprit de médiocrité, part. Tout esprit d'échec, part. Tout esprit de disette, part. Galère, tu pars. Le Seigneur fait prospérer l'ouvrage de tes mains. Pas parce que tu veux avoir ta grosse voiture et ta grande maison, mais parce que tu veux être son instrument. Tu veux être son trésorier. Tu en bénéficieras, mais ça ne sera pas pour toi. Reçois cette grâce. Tu es béni pour être une source de bénédiction. Tu béniras au-delà de tes espérances. Parce que Dieu met en toi son propre cœur à lui. Tu deviendras un contributeur pour le royaume à une dimension sans précédent. Parce que tu ressens la compassion de Dieu par rapport à ses édifices. Tu en as assez de voir la maison de Dieu être une ruine.
Tu en as assez de voir la maison de Dieu être banalisée et méprisée. Que le transfert de richesse localise ses mains. Pas l'année prochaine, maintenant. La diligence dont tu auras besoin. Tu n'as pas besoin que de grâce. Tu as besoin de la grâce, de la diligence pour enfanter les desseins de Dieu. Cette grâce de la productivité localise ses mains au nom de Jésus. Tu reçois abondamment afin de donner abondamment. Père, merci. Tu confirmes la parole de ton serviteur. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Je te dis, je vois une accélération dans tous les domaines. Attraper ta vie. Je vois le temps être racheté. Élève la voix, rends grâce à Dieu. Si tu crois que Dieu t'a parlé, que tu as reçu, élève la voix, rends grâce à Dieu. Ta vie sera utile comme elle n'avait jamais été. Si ta vie avait commencé à être utile, j'appelle une multiplication par 10 de ton niveau d'utilité. J'appelle une multiplication par 10 aujourd'hui de ton niveau de prospérité, de ton niveau de faveur, de ton niveau d'éclat, de distinction. Une multiplication au minimum par 10. Tu vas aller par palier. La dimension de 30 fois plus viendra. Mais j'appelle la dimension de 10 fois plus qu'aujourd'hui déjà. Dans les 6 prochains mois, 10 fois plus qu'aujourd'hui au nom de Jésus. Dans les 6 prochains mois, 10 fois plus qu'aujourd'hui au nom de Jésus. Si tu le reçois, bien-aimé, élève la voix et rends grâce. Et déclare dans quel domaine 10 fois plus. En moins de 6 mois, 10 fois plus. Marachale lema. Librase la robosa. 10 fois plus de discipline. 10 fois plus de diligence. 10 fois plus de détermination. 10 fois plus de créativité. 10 fois plus d'inspiration. 10 fois plus d'autorité. 10 fois plus de puissance. 10 fois plus d'onction. 10 fois plus de grâce. 10 fois plus. 10 fois plus. 10 fois plus de dépôt. Dès aujourd'hui, 10 fois plus. Merci, Père.